Ciao amigos! Comment ça va aujourd'hui? On est le mardi 11 octobre, plus d'un tiers du mois d'octobre est passé. Et nouveau live, on va parler ce soir des glucides, comme tu as vu dans le titre. Alors j'espère que tu as vraiment la forme tous les soirs, entre 17 et 18 heures, je me le répète, en moins de 15 minutes, il va falloir apprendre plein de compétences dans le domaine de la nutrition ou du sport. Si tu es là pour la première fois, j'espère que tu as la patate. Salut, n'hésite pas à mettre un petit 5 dans le chat, n'hésite pas à mettre replay si tu es en replay ou si tu es en direct, qu'on soit sur Instagram, qu'on soit sur Facebook ou qu'on soit sur YouTube. J'espère que tu as vraiment la forme. Tous les soirs, le hashtag FitBicepLive te parle d'un sujet vraiment très important et très axé sur ton corps, ton métabolisme, que ce soit la nutrition, que ce soit le sport, le fitness, la remise en forme. En fait, un petit peu tout ça. Et on a fait énormément de lives, je dis on, parce qu'on est une grande communauté ensemble, les amis, de lives, ce soit sur plein de sujets, je te laisse les regarder sur l'hashtag FitBicepLive. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein des lives. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même assez important, ce sont les glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides? Comment on doit les consommer? Tout ci, tout ça. Tu vas tout savoir aujourd'hui. Donc si tu viens pour la première fois, sache que tous les soirs, je suis en live et qu'en moins de 15 minutes, tu vas pouvoir apprendre plein de compétences dans le domaine de la nutrition et du sport. Ceci étant dit, deuxième chose très importante avant de démarrer ce live, tu vas t'abonner à FitBicep, tu vas dans le lien de ma bio, le premier lien, tu cliques dessus, tu as un petit quiz et tu vas pouvoir démarrer le Fit for Christmas pour être au top de ta forme fin décembre pour les fêtes de Noël. Il a démarré lundi dernier, il y a plus de 90 personnes qui ont démarré ce programme pour être au top de leur forme. C'est un programme complet avec une liste de courses, des plans repas faits par notre médecin nutritionniste, des séances de sport faites par nos coachs sportifs. Tu as un accompagnement avec un e-book et des cours de cuisine qui sont donnés. Bref, c'est juste la folie ce programme. Il a démarré lundi dernier et il termine le 18 décembre. Donc, tu peux encore le rejoindre. Ce soir, on va parler des glucides. Ça fait partie des macronutriments. Je te ferai un petit réel ce soir dessus. Et c'est quelque chose qui est très, très important, les glucides, parce que c'est vraiment des nutriments énergétiques. C'est écrit tous les soirs, en fait. T'as un petit slide comme ça en live et tu vas pouvoir prendre plein de notes, faire des captures d'écran, envoyer ça à tes amis, pouvoir venir échanger en DM avec moi sur le sujet du jour. Donc si c'est la première fois que tu viens, écoute, n'hésite pas à partager ce live autour de toi. En moins de 15 minutes, qu'est-ce que c'est les glucides? C'est le sujet du soir. T'as le petit avion en bas à droite pour partager à tes amis. N'hésite pas à faire un petit coucou quand tu passes par là. Salut tout le monde, Marie, Lionel, Gégé, etc. Donc les glucides sont les principaux nutriments énergétiques du corps. On les appelle aussi les hydrates de carbone ou les sucres. En fait, pour te faire une petite comparaison ou pour comprendre un petit peu, c'est un peu scientifique ce que c'est un glucide, c'est une molécule organique. Donc tu as de l'oxygène, l'hydrogène, carbone, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça va être plus ou moins soluble, c'est-à-dire mélangeable, tu peux le mélanger plus ou moins dans l'eau. Et tu as deux types de glucides, les glucides complexes et les glucides simples. On va tout voir ce soir, t'expliquer lesquels il faut consommer, etc., etc. Et on va tout de suite commencer, j'ai une petite slide spéciale pour commencer sur les glucides simples. Donc les glucides simples, c'est ce qui comprend le fructose, le galactose, le glucose, ça peut être aussi le saccharose avec le sucre de table. Et puis on a aussi la présence de lactose ou de maltose. Donc ça c'est les sucres lents, les glucides simples. Et ce sont vraiment des molécules de toute petite taille. Tu vois, ils ont vraiment un petit poids moléculaire, ils sont pas très très gros dans toutes les molécules que compose ton corps. Et ça va être quelque chose qui va avoir un goût un peu plus marqué en sucre. C'est une intensité un peu moins marquée, un peu plus ou moins marquée. C'est ce qui est présent souvent dans tout ce qui va être les jus, dans tout ce qui va être fruits, dans tout ce qui va être les alternatives de type jus, de type compote. Aussi présent beaucoup dans les laitages et dans toutes les boissons sucrées. Donc ça, c'est vraiment les glucides simples. À l'inverse, maintenant, je vais partager le petit slide sur les glucides du coup complexes. Les glucides complexes, eux, sont présents dans d'autres types d'aliments et sont présents surtout dans la cellulose, les pectines, maltodextrine, l'amidon et le glycogène. C'est souvent aussi très riche en fibres, les glucides complexes. Et eux, ce sont des molécules de grande taille. Donc en fait, les glucides complexes sont formés par plusieurs glucides simples qui forment un glucide complexe. C'est un poids moléculaire qui va être beaucoup plus élevé. Ça, c'est vraiment pour le détail scientifique. Et derrière, c'est quelque chose qui va avoir un goût beaucoup plus neutre. Ça va être dépourvu un peu de cette saveur sucrée. Ça, c'est les glucides complexes. Bien sûr, c'est un peu mieux connu, on va dire. Les glucides simples, ça va être les pâtes blanches, ça va être le sucre, vont être un petit peu ces choses-là. Les glucides complexes vont être présents beaucoup plus dans tout ce qui va être pâtes complètes, d'un coup, les polenta, les légumineuses, pâtes à douce, les pommes de terre, et aussi dans tout type de céréales. Donc, j'espère vraiment que tu kiffes ce live. Ça fait 2-3 minutes qu'on est en live. J'ai resté jusqu'à 18h10 en live. À la fin, tu vas pouvoir poser toutes tes questions sur les glucides. Et puis, tu vas pouvoir aussi découvrir le sujet de demain. Tous les soirs, je suis en live avant 18h
pour t'apprendre plein de compétences que tu peux être en pratique dans ton quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est hyper important sur les glucides, c'est qu'un gramme de glucides fournit 4 calories, exactement comme les protéines et comme les lipides. Par contre, les apports recommandés en glucides constituent 40 à 50% de l'apport calorique total. Et ça, c'est le grand max. 40% même déjà, c'est pas mal. Ok? Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faudrait 40% de glucides pour 30% de lipides et 30% de protéines. Mais bon, tu peux forcer un petit peu plus sur 50% de glucides quand tu es en approche d'une séance de sport un peu plus prononcée et beaucoup plus endurante pour avoir un peu des sucres lents dans ton organisme. Grosso modo, pour un adulte qui va consommer à peu près 2000 calories, on va dire que c'est une personne qui fait 1m80, 70 kg, et ben c'est 225 à 325 grammes de glucides. Ça, tu dois l'adapter en fonction de ton poids, de ta taille, de ta dépense calorique journalière. Si tu sais pas un peu quel type de dépense tu as, envoie-moi un petit message, réponds au quiz, au lien qui est dans ma bio, et puis on va pouvoir faire un petit check-up santé tous les deux, on fera un petit bilan, et au moins je pourrai calculer un petit peu ton métabolisme de base, les calories que tu dépenses et que tu as au repos, les calories que tu vas pouvoir ingérer dans ta journée, et puis on pourra faire le point sur ton grammage en glucides. Et puis, le glucide, il va se transformer du coup en glucose. Ça, c'est hyper important à savoir parce que c'est le carburant exclusif de ton cerveau. C'est le glucose. Ça, c'est la base que pour ton cerveau puisse fonctionner. Donc, tu as besoin au moins de 140 grammes de glucides par jour. Donc, arrêtez ces régimes où on supprime les glucides, s'il vous plaît. Il faut manger des pâtes, même le soir. Il faut des glucides, même le soir. Il faut au strict minimum 140 grammes de glucides par jour. On peut monter à 225, même jusqu'à 325 grammes de glucides, voire plus, ça dépend des efforts. Salut Jean-Christ, toujours la forme, toujours la pêche, let's go, c'est le plus important. Donc là, je t'ai expliqué les glucides simples, je t'ai expliqué les glucides complexes, je t'ai expliqué ce qu'il fallait savoir. Si tu n'as pas suivi encore depuis le début, n'hésite pas à regarder le replay de ce live. Maintenant, leur rôle dans l'organisme au niveau des glucides. Alors les glucides vont faire plusieurs choses dans ton corps. Dans un premier temps, c'est un rôle énormément énergétique. Donc ça, je te l'ai expliqué un petit peu avant. Deux, ça va pouvoir réguler ton appétit. Trois, les glucides favorisent un bon sommeil. Quatre, ils ont une constitution en stock de glycogène. Et cinq, et ça c'est hyper important, je te l'ajoute entre parenthèses et je te l'écris en italique, ils sont hyperglycémiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai écrit très simple. Les sucres simples sont rapidement assimilés, permettant donc d'élever rapidement la glycémie et donc du coup de pouvoir resucrer ton organisme. Ça, c'est l'intérêt des sucres lents, des glucides simples et notamment des pâtes avant l'effort de longue durée, que ce soit de type triathlon, longue distance, que ce soit de type marathon, de type trail ou de type d'effort au-delà de 3 heures. Et c'est hyper intéressant cet effet hyper glycémien. Donc j'espère que tu es toujours là, que tu es toujours chaud et que tu apprends de la valeur. N'hésite pas à réagir, à m'envoyer des cœurs, à envoyer des smileys, à prendre un petit avion juste en bas à droite et de partager ça à tes amis parce que tous les soirs en moins de 15 minutes, full valeur avec Fit by Seb en live. Vraiment, j'ai plein de choses à t'apporter. Si tu veux aller encore plus loin, c'est le programme Fit for Christmas que tu peux démarrer et c'est le lien dans ma bio qu'il faut remplir. Alors, les effets indésirables des glucides, comme tout aliment, il faut en consommer, mais pas trop. Là, on va voir les carences et puis après, on verra les excès. Donc, si tu es faible en glucides, comme je t'ai dit, il fallait un minimum pour le fonctionnement de ton cerveau, il va avoir beaucoup de problèmes sur ton organisme en réalité. Les effets indésirables premiers sont les carences en glucides parce qu'un régime alimentaire qui est très faible en glucides, ça peut entraîner une augmentation de production de ce qu'on appelle de cétone. Okay, et donc, du coup, ça va créer une perte de densité minérale osseuse. Ça peut aussi créer de l'hypercholestérolémie, ok? Donc un hypercholestérol, du cholestérol qui va se créer parce que tu n'as pas assez de glucides. Et puis en plus, tu peux avoir des sensations de bien-être un peu malsain, c'est-à-dire que tu as de la mal-être, de la fatigue, tu auras un problème aussi, une altération de ton système nerveux. Enfin bref, les glucides c'est important, il ne faut pas les bannir, il en faut, c'est la ressource principale en énergie de ton corps, donc il faut que tu en apportes. Je débite, je parle vite, je sais, si tu es en replay, tu peux faire pause. Si tu es en direct sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, no problème. Tu pourras regarder ce live à partir de 18h30, il sera reposté. Tu pourras revoir un petit peu tout ça et prendre des notes. Mais l'objectif, c'est que je parle vite parce qu'en moins de 15 minutes, il faut que tu apprennes de la valeur. On n'est pas là pour traîner et parler des heures. En moins de 15 minutes, au lieu de scroller, au lieu de traîner à droite à gauche, au lieu de t'amuser, là, tu apprends de la vraie valeur et ça, c'est le plus important. Donc, je t'ai parlé des carences en glucides et le rôle que ça fait sur ton corps. Après les carences, on va parler des excès. Et oui,
Parce que ben, si tu prends en carence, c'est-à-dire que si tu manques de glucides sur tes journées, tu as des problèmes, tu as des effets indésirables. Mais si tu en consommes trop, il y a aussi d'autres effets indésirables. Comme par exemple un apport excessif en glucides, donc surtout les sucres raffinés de type les pâtisseries, les boissons sucrées, et puis tous les sucres lents en réalité, en fait, eh ben, ça a énormément d'effets néfastes sur ton corps en réalité, sur ton métabolisme, sur ton état de santé, sur ton transit, sur les caries qui peuvent être présentes, sur tout ce qui va être de type cancer, tout ce qui va être le surpoids, l'obésité, tu vas augmenter ton taux en triglycérides sanguins, enfin bref, à très long terme, le fait de prendre trop de glucides, l'excès de sucre peut causer aussi des diabètes beaucoup plus avancés de type 2, plein de maladies cardiovasculaires et puis de l'hyperinsulinisme. Donc ça, c'est pas vraiment le meilleur. Donc je t'ai dit que les glucides, il fallait pas ne pas en consommer parce que si tu n'en consommes pas, eh ben, tu risques d'avoir des problèmes. Si tu en consommes trop, tu as des problèmes. Le minimum de journalier, c'est 140 grammes pour faire fonctionner ton cerveau. Ensuite, après, c'est en fonction de tes objectifs. Ton apport ne doit pas dépasser les 40 à 50% en calories. Donc imaginons que tu as un total de calories, imaginons que tu as 2000 calories sur ta journée à ingérer. 40 à 50% vont venir des glucides. Donc grand max, vraiment grand max de tes calories, tu dois avoir entre 800 et 1000 calories qui viennent des glucides. Grosso modo, en fonction des rapports, ça va faire, vu qu'il y a 4, et je suis précis dans ce que j'ai, vu qu'il y a 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, grosso modo, entre 150, 300, 350 grammes grand max, en fonction de ton rapport poids-taille, 2 grammes de glucides te faudra dans ta journée. Donc c'est très très précis, hein, je te donne énormément de valeur, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mentionner des gens autour de toi. J'essaie d'être le plus succinct possible. Voilà, en moins de 10 minutes, parler des glucides, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est familier de ton côté, c'était peut-être très complexe ce que je t'ai dit, mais l'objectif c'était d'apporter de la valeur, te dire que les glucides, il en faut pour ton organisme, c'est hyper important. Donc je vais rester 2 minutes en live, salut tout le monde, ceux qui viennent de rejoindre, je sais que vous êtes nombreux à suivre ces lives, et ça fait plaisir, soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas, partagez tous les soirs entre 17 et 18 heures, je passe en live et je te donne énormément de valeur. Là, ça fait plus de 10 minutes que je suis en live et je t'ai parlé aujourd'hui des glucides. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à regarder le replay qui sera disponible à partir de 18h30 sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc là, on est sur la dernière partie, c'est la partie des questions-réponses. Le sujet du jour, c'était les glucides. Donc si tu viens d'arriver, que tu as une question sur les glucides et que tu n'as pas eu le temps de voir encore le live, pose ta question. Je vais rester 2 minutes en live. On a parlé des glucides aujourd'hui. Si jamais tu n'as pas eu le temps de voir le live, c'est pas grave. Sache que je peux t'aider pour tes objectifs de remise en forme. Le programme, il s'appelle le Fit for Christmas. Il a démarré la semaine dernière. Il y a 90 personnes qui sont en challenge avec moi et la nutrition du succès sur ce mois d'octobre. Tu remplis le premier lien de ma bio. Tu as un petit quiz. Après, tu auras accès à une vidéo. Et puis, je vais pouvoir t'aider, que ce soit des objectifs de perte de poids, de prise de masse, regain d'énergie, tonification, ventre plat. Bref, tu as tout ce qu'il faut avec moi pour atteindre tes objectifs de remise en forme. J'ai parlé des glucides aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des questions, si je peux apporter des réponses et des solutions à tes problèmes. En tout cas, si tu en as, je vais rester encore 1 minute en live. L'objectif vraiment, c'est d'apporter tous les soirs en moins de 15 minutes un maximum de compétences. Je parle très vite, je le sais, parce que j'ai énormément de choses à t'apporter et les glucides et tous les autres sujets que j'ai parlé, ben, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. Mais l'objectif, c'est d'être concret et d'apporter les choses les plus précises possibles. Aujourd'hui, c'était les glucides. Hier, on a parlé de la pyramide et de l'épi alimentaire. Si tu ne les as pas vus, retourne voir ces lives. La semaine dernière et les semaines avant, depuis fin septembre, je fais des lives tous les soirs. On avait parlé de plein de choses. On avait parlé des macros et des micros et des phytonutriments. On avait parlé aussi du petit déjeuner, de l'hydratation, de la récupération musculaire, de l'échauffement, de la nutrition sportive. Plein de sujets ont été élaborés et abordés avec moi sur le hashtag FitBySebLive. Donc, n'hésite pas à aller regarder tout ce contenu avec la série sur Facebook et sur YouTube qui s'appelle « Être mieux dans ton corps ». Et puis si tu viens pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, me mettre dans les favoris pour que tu puisses avoir des petites alertes quand je passe en direct. Je passe entre 17h30 et 18h tous les soirs, hormis le week-end, en direct pour t'apporter de la valeur. On a parlé de la pyramide, je te l'ai dit hier. Aujourd'hui, on a parlé des glucides. Par logique, demain, je pense que tu as deviné le sujet, ce sera, attention, les protéines. Et jeudi, on parlera des lipides. Donc, j'espère que tu as aimé et que tu as apprécié et que tu as kiffé tout simplement la valeur que je t'ai apportée. On se retrouve dès demain sur un nouveau live. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager un petit peu mon contenu, à venir en privé me dire tout ce qui va pas ou tout ce qui va parce que je serai à l'écoute et je pourrai répondre. C'est l'objectif de créer cette communauté-là. Et puis, si tu as vraiment appris des choses, n'hésite pas à me le faire savoir aussi. N'hésite pas à commenter souvent les lives, au moins
ça permettra d'interagir ensemble. J'ai kiffé faire ce nouveau live. Paul, t'arrives à la fin, no problème. J'ai quitté ce live, tu regarderas le replay. Aujourd'hui, c'était les glucides, demain, ce sera les protéines. Les amis, passez une bonne soirée. Sachez que je suis en live tous les soirs entre 17h30 et 18h. Là, j'ai terminé mon live. N'hésitez pas à regarder tous les autres lives. Ciao, ciao et à plus tard tout le monde.